Adieu, adieu les gens. J'espère que ça va bien chez vous. Bah ici, hein, c'est lundi. Donc alors, la première rangée de bricasses, elle est faite. Enfin, elle est faite. Presque finie, en vrai. De l'autre côté, là, j'ai monté ça. Il me reste une brique, un petit morceau à mettre et un petit morceau devant. Là, juste là, à ce niveau-là. Voilà, c'est gavé galère. Mais je vous garantis que c'est là. Hein. Vous garantis que. Oh! On va tester d'ailleurs. On va tester en direct si c'est droit. Hop! On prend la grande règle avec le niveau à bulle. Je la pose n'importe où. Clac! Clac! Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'essaye de caler. C'est parfait. Et puis il n'y a pas un pet de jour en dessous. Il n'y a pas un pet de jour en dessous. Je ne sais pas si on y voit bien. Il n'y a pas un pet de jour en dessous. Clac, 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 clac. Elle est calée partout. Partout, partout, partout. Et je suis sur l'autre brique de là-bas. De là à là-bas. Il n'y a pas un pet de jour en dessous. Je suis très très satisfait de mon mur. Quand je vais le coller après. Et l'autre c'est pareil. L'autre là-bas, c'est pareil. Idem, les deux, c'est la même. Hop là! Par contre, j'ai une sacrée marche. Hein. Punaise! Là, ici, là, j'ai une sacrée marche. Donc, on a aussi été récupéré un établi. L'établi de chez Tati Coco. Je lui ai rendu son meuble qui était dans la. Dans notre chambre, dans notre future chambre. Je lui ai rendu son meuble et en échange, j'ai eu l'établi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? À l'intérieur, hop là. À l'intérieur, j'ai mis les rails déjà. Alors, ceux-là sont fixés. J'ai fixé la porte aussi. Elle est droite de chez droite. Elle est d'équerre de chez d'équerre aussi. J'ai fixé. Je les ai pas tous fixés. Je les ai pas fixés ceux-là. C'est juste un montage pour pouvoir venir découper mes plats qui sont derrière et les plaquer. Parce que si je les fixe, j'ai peur d'être emmerdé par la suite. Si je veux faire un passage en me disant merde, et bien là, par exemple, ceux-là ou celui-là, je peux les déplacer. Là, ici, là, à ce niveau-là, je vais faire un marquage au sol, juste là. C'est l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau de la douche. Donc c'est pour ça que j'ai mis un montant ici et un montant là. Comme ça, en fait, je viens me plaquer. Et je mets que 6 vis. Je vais mettre 6 vis à l'intérieur. Et comme ça, quand je voudrais faire mon arrivée d'eau, ça sera tout good to go. ça sera nickel. Je vais brancher la lumière. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire aussi? On a été chercher aussi du carrelage. Voilà, le carrelage de la salle de bain. On a été le chercher. Les murs sont pas encore montés, mais on a le carrelage. C'est bien. Alors le carrelage. Oh, il y a deux sortes différentes. Il y a du carrelage avec des motifs un peu 3D dessus, et du carrelage lisse, blanc. Voilà. Je vous le montrerai quand je l'aurai déballé. En tout cas, il est là. Et il n'y a plus le meuble à Tati Coco. Voilà. Le truc qui avait bien embêté mon père, il est plus là. Mais bon. Voilà, voilà. Ah, ça fait tout droit là maintenant. Et je passe par mon futur couloir. Voilà, voilà les gens. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hop là. Et ben, je vous dis à plus tard pour les prochaines aventures.